Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Forza Web Télé. On accueille Thierry, est-ce que tu m'entends Thierry? Je t'entends très bien, est-ce que c'est ton cas aussi? C'est parfait, je t'entends super bonjour. Bien. Derrière, tu as plein de livres, donc ça va très bien avec le thème d'aujourd'hui et de l'historique. Alors, j'ai même un maillot spécial, tu vois, regarde, on voit pas le... Je ne sais pas comment mettre. Ah, je ne vois pas, voilà. Vas-y, montre-le un peu. Bah, tu as ce magnifique écusson. Ah oui, d'accord. Voilà, qui est un maillot un peu historique, puisque c'est un tirage qui avait été fait par le Commando Ultra dans les années 90, je pense, pour une occasion spéciale. C'était la reproduction du maillot des années 50, celui d'Anderson. D'ailleurs, dans le dos, j'ai marqué Gunnar Anderson. D'accord. Génial. Et ça m'avait été offert par Marc Obdoul, qui a été le premier président du Commando Ultra. Donc, c'était un maillot auquel je tiens beaucoup. D'accord. Alors, juste une petite introduction. En fait, on veut faire une trilogie d'émissions historiques. Donc, on débute aujourd'hui avec Thierry Audibert qui nous fait le plaisir donc, de venir parler de l'époque 1900. Alors, au départ, j'ai dit que 1971, mais après, c'est bête parce que 1972, il y a aussi le doublé Coupe Championnat. Donc, on va parler peut-être des deux saisons, quoi. 70-71 et 71-72. Voilà. Vendredi, je vous l'annonce, on fera une émission sur les minots de 81-82. Toujours avec FCM, avec Mourad Herbst et Jean-Charles Bonneau, qui viendront donc nous parler de leur reportage qu'ils font sur les minots. Et donc, ça sera vraiment passionnant, ça, vendredi 18h. Et le vendredi d'après, on parlera de l'époque 1991, puisque ça fait 30 ans, cette formidable équipe de 91. Donc voilà, on fera quand même trois émissions qui complètent bien. On avait déjà fait une émission sur tapis, donc avec... toute la période de tapis, donc je pense qu'on est pas mal sur les grosses époques olympiques de Marseille. Alors du coup, je voulais que tu viennes Thierry, parce que déjà, bon, moi, je suis né en 73. Ah oui, t'es jeune, toi. Ouais, c'est gentil. Ouais. je suis né en 73, deux, comme vous le savez, je vais pas le dire à chaque fois, je suis pas de Marseille, donc forcément, je connais pas toutes les époques. Alors, je les connais de nom, j'ai la culture OM, évidemment, hein, mais je l'ai pas vécu, donc c'est pas pareil. Et plein de personnes sont sûrement comme moi, mes acolytes qui sont pas là aujourd'hui, Romain et Olivier, c'est pareil. Donc c'est intéressant de connaître cette époque. Et donc toi, comme j'ai vu sur quelques billets que tu as déjà fait sur le site de Football Club de Marseille, que tu es toujours nostalgique un petit peu de cette époque. Donc déjà, première question, voilà, quand je te dis cette époque-là, 71-72, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque une des plus belles pages de l'histoire de l'OM, bien entendu. D'autant plus forte pour moi qu'à cette époque, j'ai 10 ans et que je m'éveille juste à la passion du football et de l'OM quasiment en même temps, hein, puisque je découvre l'existence de l'OM de façon concrète, parce que j'en entendais parler, mais c'était relativement abstrait, parce que moi, je nais par contre en 1961,
Et bon, je nais dans une période où l'Olympique de Marseille est loin d'être en forme. Donc, on en parle relativement peu, sauf dans des cercles, on va dire, de supporters. Mon père est un supporter au départ. Je crois que j'avais eu l'occasion de t'en parler quand on avait fait une première émission ensemble. Tu m'avais interrogé sur voilà, l'origine de ma passion. Et mon père, lui, était déjà un grand passionné. Mais mon père avait 40 ans de plus que moi. Donc, lui, il est né en 1921. Et donc, il s'est intéressé à l'OM dès les années 30, quoi. Et lui, son idole, par exemple, c'était Willy Cohut. On en reparlera tout à l'heure de Willy Cohut des années 30. Mais mon père était navigateur en plus. Donc, des fois, il n'était pas là pendant 6 mois. Donc, la saison était passée. Il n'avait pas eu l'occasion de m'amener. Donc, moi, la première fois que je vais au stade, c'est le 6 décembre 1970. Voilà. Donc, j'arrive juste au moment où. Les choses sont en train de prendre de l'ampleur, où l'équipe qui a été petit à petit assemblée par Marcel Leclerc à partir de l'année 1965-1966, a commencé à prendre de la cohérence, où elle est améliorée chaque année avec beaucoup de recherches. Par Marcel Leclerc aidé par Mario Zatelli qui donne son avis. Et donc, en 1970, quand moi j'arrive, vraiment, ça y est, c'est le moment pour l'OM de se lancer à la conquête du titre de champion de France que Saint-Étienne vient de conquérir pendant 4 années d'affilée. Voilà. Et donc, ouais. Juste pour te couper, pour éclairer, bon, déjà, effectivement, le président, c'est Marcel Leclerc. Donc, c'est un des, souvent, comme on dit, alors moi, je peux pas parler de ça, effectivement, mais on dit qu'il y a 3 grands présidents dans l'histoire de l'OM, c'est Diouf, c'est Tapie, et c'est Marcel Leclerc. Alors, du coup, quand est-ce qu'il arrive concrètement, déjà, Marcel Alors, Leclerc? c'est bien qu'on en parle parce que il arrive à la fin de la saison 65, entre la saison 65 et 66. En fait, voilà, entre la saison 64-65, 65-66, voilà, il arrive à l'intersaison. Et D'accord. le club est dans une situation absolument catastrophique, puisque tu vas faire d'ailleurs les minots avec Jean-Charles et Mourad. La semaine prochaine ou vendredi, je sais plus. Vendredi, ouais. Voilà, on peut dire que, alors que vraiment en 81, la situation est absolument catastrophique, hein, puisque le club est sur le point de ne plus exister, on a quand même en germe, en 1965, quasiment la même chose. Hein, c'est-à-dire que c'est le docteur Luciani qui est alors président. Depuis, je crois, quelque chose comme 1962, 1963. Le club, auparavant, avait pour président un monsieur qui s'appelait Zaraia, qui le récupère alors qu'il est en deuxième division. On est tombé en 1959. Alors, c'est intéressant aussi de parler de ces années-là, enfin de parler, puisque j'espère qu'il y a des jeunes supporters enfin, ou des plus jeunes que moi qui vont regarder l'émission. Il faut regarder, quand tu regardes Bien bien, sûr. bon, pour situer l'importance je vais revenir à ce que je disais, hein, mais de 71-72, c'est que c'est un petit îlot de bonheur, quelque part, entre deux grandes périodes de l'OM, qui est la période, on va dire, hein, pour faire court, de l'entre-deux-guerres, et la période de Tapie. À savoir que, si tu regardes de près le palmarès de l'OM, tu vois qu'effectivement, alors c'est une chose que les Parisiens. Aime bien, sur laquelle les Parisiens aiment bien ironiser, mais bon, c'est notre histoire et on en est très très fiers. C'est que quand on regarde le palmarès, donc tu gagnes la Coupe de France en 1924, ta première. Ensuite, tu as 1926, 1927. Après, tu la regagnes en 38. Attends, mais continue, vas-y. Continue, continue. Et Vas-y, continue. tu la regagnes en 43. À la suite de ça, en championnat, tu n'as que 2 championnats dans cette époque. Tu gagnes en 1937 et en 1948. Tu as gagné le championnat de France amateur en 1929, mais il n'est pas comptabilisé, puisqu'à l'époque, c'était un championnat Oui, qui c'est vrai. s'organisait par région. Et l'OM gagne ce championnat, puisque ensuite les régions se rencontraient avec des systèmes de demi-finale, etc. finale. C'est très étonnant d'ailleurs qu'on ne comptabilise pas ça, puisqu'en fait, on considérait qu'à l'époque, le football était amateur,
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on comptabilise quand même les Coupes de France. Enfin, tout ça pour dire que c'était surtout la Coupe de France qui est importante. Donc je répète, 24, 26, 27, 38, 43, ça, c'est les Coupes de France de l'OM à cette époque-là, et 37, 48 pour les championnats. Et à partir de 1948, tu n'as plus rien jusqu'à 1969. Donc, ça fait un trou énorme. Et la Coupe de France 1969 est un immense événement à Marseille. On va y revenir sur comment elle arrive. Mais ensuite, tu as la saison 69-70 où il n'y a rien. Il y a une place de quatrième ou de deuxième même. Et puis ensuite, tu as 70-71 et 71-72. Voilà. Alors, juste, je vais te poser des questions, après c'est toi qui rebondis. Donc, juste là, je suis allé voir sur un site qui parle de l'histoire de l'OM. Alors, 70-71, on va faire. Donc, l'équipe type. L'entraîneur Mario Zattelli, qui est depuis décembre 60. Et Lucien Leduc, il y en a deux, alors je ne sais pas comment tu Alors, oui, parce que Lucien Leduc. Alors, ça aussi, ça fait partie des choses qui font le charme de cette histoire aussi, c'est qu'il y a cette histoire avec Zattelli. Et d'ailleurs, ça commence déjà dans les années 60. C'est-à-dire que lorsque l'OM ne va pas bien, l'entraîneur est Jean Robin. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure de cette année 1965. C'est peut-être important de partir de là parce que il se passe beaucoup de choses dans cette année 65. L'OM donc a plus d'argent. Le docteur Luciani demande des aides à la mairie et la mairie se fait un peu tirer l'oreille. Alors on accorde des prêts qu'on demande, qui sont censés être remboursables. Il y a Monsieur Zaraya qui était donc, comme je te disais, le précédent président qui attend quand même qu'on le rembourse. Je crois qu'il en était à l'époque pour 50 millions, donc ce qui était une somme importante à cette époque. Donc, on finit cet exercice 1965 au bord de la descente en troisième division. L'OM est en deuxième division. L'OM est donc descendu en 59, puis remonté ensuite en 61 et redescend encore en 62. Le 65, il y a vraiment plus d'argent. Et même le président de l'époque, donc le docteur Luciani, dit « si la mairie ne m'aide pas, l'année prochaine, je ne repars pas en deuxième division, je repars en troisième division et on reprend le statut amateur. » Donc, on est exactement comme on sera en 1981, au moment où on va faire appel aux minots pour sauver le club. On a à peu près les mêmes choses. Il arrive un groupe qu'on va appeler le groupe des 13, qui est commandé par un type qui s'appelle Roca Serra, qui est, je crois, à l'époque, un agent immobilier, qui propose de reprendre le club avec il a constitué comme ça un assemblage de gens qui sont prêts à amener de l'argent, dont des notables et des industriels de la région. Mais il demande au docteur Luciani de partir, de faire table rase du passé. Il dit, nous, on a de l'argent, on l'amène, mais on ne veut pas que ça aille dans les poches pour rembourser les dettes. Nous, on veut que cet argent il ne serve qu'à acheter des nouveaux joueurs et ensuite l'OM repartira. Et le docteur Luciani et le comité de gestion qui est derrière lui à l'époque refusent de s'effacer. Et heureusement, va arriver Marcel Leclerc. Alors Marcel Leclerc, il arrive par un ami commun à Luciani et à Leclerc. Il y a des prises de contact qui se font. Dans un premier temps, Leclerc va dire la même chose que Roca Serra, c'est-à-dire... vous vous barrez et moi je mets l'argent et puis ça va pas passer. Alors il va essayer un peu la menace aussi, il va dire si je reprends pas l'OM, je vais créer un deuxième club et ça sera à Mazargues et je vais appeler ça l'Olympique de Mazargues et voilà, je ferai ensuite en remontant petit à petit et je concurrencerai l'OM. Bon, on arrive à se parler quand même, ils vont au resto ensemble, etc. Et puis finalement, il est décidé que le comité de gestion reste en place avec le docteur Luciani. Et Leclerc arrive en disant, moi je vais mettre de l'argent, mais à condition que la mairie mette la même somme. Et donc, il va y avoir des tractations avec Leclerc, avec Defer.
entre Leclerc et Defer. Bon, ça va être un duo qui va s'envoyer beaucoup de courriers pendant les années qui vont suivre. Pas toujours d'ailleurs, comment dire, négatif, hein. Ils vont aussi D'accord. comprendre qu'ils ont intérêt à travailler ensemble et qu'il en ressort quelque chose de très positif pour les deux. Et puis, ça va s'installer comme ça. Leclerc va prendre les choses en main et va enrichir cette équipe. Donc, quand on se retrouve, bon, pour reboucler avec ta question tout à l'heure sur, on va dire, la composition de l'équipe en 1970, elle est déjà constituée pratiquement à ce moment-là, presque depuis l'année 69-70. Donc, quand D'accord. il y a le titre 70-71, en gros, tu as l'équipe, c'est Jean-Paul Escale. Personnage considérable de l'histoire du football olympien, Jean-Paul Escale, hein, parce qu'il vient vraiment de la base. Hein, c'est un type qui a été ouvrier, amateur. Voilà, il est arrivé dans les mauvaises années olympiennes, et puis petit à petit, il a fait sa place. Moi, je le considère comme un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Un grand Ouais, personnage d'accord. aussi. Un grand personnage aussi. C'est le premier d'ailleurs joueur auquel je vais envoyer une carte pour son anniversaire. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'étais allé lui dire, vous avez reçu ma carte? Il me dit, mais oui, mon chéri, Fatih. Oui. Voilà. Et donc, tu as Escale dans les buts, tu as Jean-Pierre Lopez arrière droit, tu as à l'époque, tu as Zuncao Doul en défense centrale, tu as Kula à gauche, tu as un milieu de terrain avec Jacquinovi, Gilbert Gress, qui va pas être là tout de suite. Il va arriver presque avant la trêve, Gilbert Gress. Tu Alors as. justement, Gilbert Ouais. Gress, moi, je ne le connais pas en tant que joueur, mais ça m'évoque après en tant qu'entraîneur. Il a été Oui, mais bien entraîneur à sûr, Strasbourg. tu l'as connu. Alors à l'époque, on jouait avec 4-2-4. Donc tu avais deux milieux de terrain et après tu avais une attaque avec. Alors bon, excuse du Il y peu, mais avait aussi tu. Bonnel, Novi, Magnusson, Gress, c'est ça, ouais, on est quatre. Alors, Grèce, je te l'ai dit pour le milieu de Ouais. terrain, mais donc après, ensuite, l'attaque, je dis, on jouait en 4-2-4 à l'époque, c'était le 4-2-4. Allez. Donc tu as Magnusson à droite, Bonnel Escoblar. Au centre, et tu as un autre personnage considérable qui s'appelle Charlie Loubet, voilà, qui est un Niçois et qui a été acheté. Alors lui, il devait partir dans un club du Nord, je sais plus si c'était en Angleterre ou en Hollande, en fait, voilà, et finalement, Leclerc met la même somme que le club du Nord, et Charlie Loubet vient et puis dit, bon, de toute façon, il n'avait pas trop envie d'aller dans les brumes là-bas. Lui, il était de Nice et il préférait venir à Marseille plutôt que de monter dans les brumes. Et donc, voilà, tu as cet ailier gauche, Charlie Loubet, qui est très, très important, qui est un joueur international à l'époque et qui était vraiment un grand ailier gauche, petit, très vif, avec beaucoup de classe et un gros tir du gauche, quoi, voilà. Donc Donc, voilà, juste là, je je suis t'ai en fait train une de équipe. voir. À l'époque, tu as très peu Ouais. de gens sur le banc. Hein. À l'époque, je crois que tu as droit qu'à un remplaçant. Et donc, tu as après, derrière, tu as des. D'abord, tu as la jeunesse, hein, c'est-à-dire tu as les Courbis, Gilly, des gens comme Di Caro, Ange Di Caro, voilà, bon, d'autres qui vont me revenir, mais tu as aussi de très bons jeunes à cette époque-là. Kouékou, là je vois Kouékou, De Lachey, Di Caro, Platy, Merchel, Voilà, Mouchkets, je tu me as demande pas, Kouékou, Minic, ouais. Leclerc. Tu as Kouékou aussi, qui lui est un joueur qui est un attaquant, voilà, qui est un peu à l'époque le spécialiste des ciseaux retournés. Voilà, souvent quand on rigolait d'Ocampos et de ses ciseaux retournés, moi je pensais à Kouékou parce qu'il en a réussi quand même lui aussi, mais bon, des fois il en loupait pas mal quand même. Et bon, c'était un peu le spécialiste du retourné acrobatique. Alors, juste pour un petit peu contextualiser tout ça, je vois qu'en fait, bon, non, comme tu me l'as dit tout à l'heure, effectivement, Saint-Étienne domine le championnat. Et là, ça va être une concurrence entre les deux équipes toute la saison. Ça va être un mano-mano avec vraiment une grosse équipe de Saint-Étienne et donc l'OM avec Revelli et Keïta. Et nous, donc l'OM avec Magnusson, Escoblar notamment. Et donc l'OM l'emporte. L'OM est champion avec 55 points, 94 buts. C'est impressionnant, ça. 48 contre et notamment le record toujours qui n'a toujours pas été battu de Skoblar avec 44 buts contre.
Oui, voilà, ça c'est un petit peu comment dire, le profil de la saison. C'est une saison où effectivement la concurrence avec Saint-Étienne va être mais féroce. Voilà. L'OM avait déjà fini en 69-70, donc à la deuxième place, derrière Saint-Étienne, mais à pas mal de longueur. Avait mesuré quand même qu'il y avait un écart important à rattraper. C'est vrai que Jean Sneyla était arrivé à Saint-Étienne et à constituer, on va dire, ce qu'a été Saint-Étienne. Je veux dire, c'est pas Albert Batteux. On a beaucoup parlé d'Albert Batteux, qui certes a eu, en tant qu'entraîneur, un grand rôle à cette époque-là, mais on va dire que le père fondateur, celui sur lequel tout s'est appuyé, le penseur, c'est Jean Sneyla à Saint-Étienne. Et donc Saint-Étienne, à cette époque-là, avait énormément d'avance sur tous les clubs du championnat de France. Et donc la concurrence, bien sûr, va être féroce. Les équipes vont se passer l'une devant l'autre. Ça va durer pendant comme ça va être un feuilleton qui va tenir tout le monde en haleine. Voilà, c'est ce qui va se passer. D'autant plus qu'elle est doublée cette rivalité par le duel que se livrent Josip Skoblar et Salif Keita, énorme attaquant. Voilà, peut-être un des plus Qui grands était à Marseille, attaquants. non? Qui était à Valogne, oui. Oui, il est arrivé 2 saisons plus tard, hein, puisque là on parle de la saison 70-71, mais Salif Keita, c'est peut-être l'un des plus grands footballeurs africains de l'histoire, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu un jour un match, d'ailleurs on le trouve en vidéo, hein, sur YouTube, entre le Santos de Pelé et une association OM Saint-Étienne. Quelque chose d'absolument fou, hein, puisque ça va se jouer, je crois que ça se joue à Colombes, à Paris. Le coup d'envoi est censé être donné par Brigitte Bardot, qui arrive avec un short, des cuissardes rouges. Elle a un manteau de fourrure, elle est magnifique, et tout le monde bave devant. Et il y a une foule complètement énorme qui est autour d'elle et qui fait qu'on ne la voit même pas. Et donc elle renonce même à aller au centre du terrain donner le coup d'envoi, tellement il y a du monde autour d'elle. Mais vont jouer ensemble à ce moment-là Magnusson, Skoblar et Keita, dans cette association OM Saint-Étienne. C'était une sorte d'équipe mixte. Et Magnusson dira à l'issue de ce match, quand on va lui poser la question sur Pelé, ben il va dire oui, il y avait Pelé, mais en fait, il y avait surtout Salif Keita. Voilà, lui, Alors, juste, dis-moi, toi, tes impressions du coup d'enfant à l'époque de cette équipe, comment tu la voyais, qu'est-ce que ça t'évoquait cette équipe, qu'est-ce que ça te donnait, Alors, procurait comme émotion? bah, si moi je te parle de ma vision à moi, je n'ai que 10 ans à l'époque. Moi, Oui, ou mais. alors, bon, peut-être, oui, Et avec le puis, recul, peut-être, non, voilà, dis-moi. si tu veux, en plus, c'est quelque chose, c'est le football qui. Alors, il n'était jamais mort, le football, parce qu'on jouait beaucoup, beaucoup à Marseille au football. Il y avait énormément de clubs amateurs, donc c'était beaucoup plus vivant, le football à Marseille à l'époque, que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. On va dire aujourd'hui. Allez, c'est un peu plus périphérique, les Marseillais parlent de l'OM, mais il y a de moins en moins de jeunes qui le pratiquent dans les familles marseillaises, on va dire traditionnelles. Le football, c'est surtout un sport populaire, c'est un sport de cité où tu développes tes qualités quand tu as la possibilité de jouer quasiment tous les jours avec des jeunes de ton âge, voire même un petit peu plus vieux, dans des petits coins où tu vas travailler ta capacité à gérer l'espace, à effacer quelqu'un dans un petit espace, que tu vas sentir le football, le moment où il faut faire la passe, le moment où il faut tacler, etc. Ça, tu l'apprends tout jeune dans les petits matchs que tu fais dans ton quartier. Et tu arrives dans les clubs, hein, généralement, tu as déjà acquis un certain bagage. Voilà, l'exemple emblématique de ça, c'est Zidane sur sa fameuse dalle de Castellane. Voilà. Zidane n'aurait pas pu être Zidane s'il n'était pas né à la Castellane, à Marseille, sur cette dalle spéciale, avec l'entourage qu'il a eu à cette époque, avec ses frères, etc. Et donc, à cette époque-là, voilà, Alors, le football amateur est très, très, très vivant à Marseille, beaucoup plus qu'aujourd'hui. donc cette équipe, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une équipe offensive, créative, avec vraiment des individualités très techniques? C'est quoi qui correspond, ou costaud, je ne sais pas, comme du coup je. Alors, attends, avant ça, parce que je suis parti sur cette histoire Ah, pardon. de football amateur, c'était pour répondre à ta question précédente.
qui est voilà de mes impressions à moi quand je suis voilà c'est que ce football qui est en train de renaître après des années très difficiles et avec une montée en puissance que je te disais tout à l'heure, hein, avec déjà l'année 68-69 avec la victoire de l'OM en Coupe de France contre Bordeaux. Tu as aussi l'arrivée de ces phénomènes, hein, que sont Skoblar et Magnusson. Skoblar qui arrive une première fois en 1966 en prêt pour une demi-saison. Il claque pas mal de buts et on n'a pas les moyens de le garder. Donc il repart dans le club allemand dans lequel il jouait à l'époque. Et c'est un peu comme nous, la Milik, si Milik devait repartir aujourd'hui ou demain. On a vu qu'un attaquant de grande race, un attaquant international, alors moi ça je ne l'ai pas vu, hein, mais c'est les supporters, et donc on ne peut pas le garder, donc ça fait mal au cœur. Dans l'année 68 arrive Roger Magnusson. Le club d'ailleurs est assez mal placé à un moment donné, alors au départ de la saison, quand il arrive, en fait, il est opéré d'une péritonite. Et donc, il va être absent pendant quelques semaines. Et puis, le temps qu'il se remette, etc. Et je crois que quand il revient et qu'il est de nouveau disponible, l'équipe est 17e. Et déjà, l'arrivée de Magnusson va donner un coup de fouet terrible à l'équipe. Un peu comme l'avait fait Skoblar quand il était arrivé, mais ça n'avait duré que 6 mois. Quand Magnusson arrive, ça devient assez vite la vedette du championnat de France. Il y a des reportages qui se font de partout, tu as toute la presse, tu as à l'époque, tu n'avais pas beaucoup de télévision, hein, tu avais une chaîne de télévision, et la grande émission de télévision à l'époque, c'était les 5 colonnes à la une. Les 5 colonnes à la une viennent faire un reportage spécial sur Magnusson à l'époque. Voilà, on le trouve sur YouTube d'ailleurs. C'est quel type de joueur ? Explique-nous ce que c'est Magnusson. Alors Magnusson, c'est un d'abord pour les jeunes, il faut le dire quand même, le préciser, c'est un Suédois, mais c'est un Suédois qui a une particularité, c'est que il a eu la possibilité en gagnant une sorte de concours, genre peut-être concours du jeune footballeur ou etc. On le récompense par un stage au Brésil qui va durer peut-être, je crois, 15 jours, 3 semaines, ou peut-être même plus, je ne sais plus exactement. Mais enfin, en tout cas, ce passage au Brésil, au contact de ce qu'était le football au Brésil à l'époque, hein, qui se jouait dans la rue, qui se jouait partout, il va voir des choses que certains étaient capables de faire, mais il va se mettre au niveau technique de ces Brésiliens. Donc il a la particularité, Magnusson, d'être un peu... il est suédois, mais du point de vue du football, il est brésilien. Il a rien de suédois dans son jeu. Il est suédois parce qu'il est un garçon très discret. D'ailleurs, il est très difficile à aborder. D'abord, il était magnifique avec ses yeux bleus et sa chevelure blonde, mais il était timide aussi, très pudique, et donc il fuyait les gens. Tu vois, il avait tendance plutôt à pas se laisser taper dans le dos. Il aimait pas ça, tu vois, parce que c'était pas sa mentalité là-bas, quoi. Et donc il a cette double particularité. Il est à la fois très suédois dans son comportement et il est brésilien par son football. Alors c'est un ailier droit. C'est quoi ? C'est un jeu très technique, très. C'est le sommet de la technique, Roger Magnusson. Voilà, aujourd'hui, on a du mal à se représenter. Moi, quand je le dis, alors bien sûr, on va dire, ouais, mais toi, tu étais minot et c'était ton idole, etc. Mais je pense que tu peux poser la question. Est-ce que ça ressemble à Waddle ou dis-moi alors, un peu une comparaison. Bah là, le problème, c'est que quand je dis ça, je vexe les gens qui sont fous de Waddle et qui n'ont connu que Waddle. Mais et moi, il faut dire, je m'empresse de préciser que j'ai adoré Chris Waddle. C'était vraiment un joueur énorme. Mais je pense que Magnusson était au-dessus. Et quand tu interroges beaucoup de gens qui ont vécu les deux choses, ils vont te dire comme moi, mais ça n'a rien contre Chris Waddle. Voilà. Magnusson a quand même. Au niveau technique, tu parles ou au niveau quoi ? Ouais, au niveau technique, c'était énorme. Voilà, il a fait des choses qu'on n'avait jamais vues et même que j'ai très rarement vues ensuite en France. Je dois dire que techniquement, celui qui m'a autant impressionné que Magnusson, c'est Ronaldinho, pour te donner le niveau. Tu vois ? Ronaldinho, Messi, alors là, bien sûr, c'est-à-dire cette capacité à éliminer plusieurs joueurs,
Ouais, voilà, juste pour dire le chat, là, il y a Bars 13 qui dit, moi, ce que j'ai vu, c'était un grand dribbleur. Oui, c'était un dribbleur pur, voilà, mais de la race des dribbleurs, comme tu en as très peu eu dans l'histoire du football mondial. Hein. C'est-à-dire que moi, pour moi, Roger Magnusson, je le mets du point de vue du dribble, hein. Je le mets à la table de Maradona, de Messi, de Pelé, de Ronaldinho, voilà, de joueurs comme ça, Garrincha. C'est un joueur de cette dimension. C'est-à-dire que Magnusson, aujourd'hui, hein, si on pouvait transposer, c'est impossible, hein, mais je veux dire, il jouerait dans un des deux plus grands clubs du monde, tu vois, ou des trois, ouais. Tu vois, c'est, voilà, c'est, il serait inaccessible pour l'Olympique de Marseille. Donc, c'était un ailier droit qui collait à sa ligne de touche. Hein, voilà. Il allait assez peu souvent dans l'axe. Et surtout, il avait une grande facilité à éliminer son adversaire. Mais il avait une particularité, c'est que il n'était pas constant dans le match. Voilà, il y a eu très très peu de fois où il a fait un match de la première à la dernière minute de façon constante. Alors c'était d'ailleurs souvent un débat, ça. Mais je dirais qu'il y a eu deux Magnusson. Le premier, à la limite, je ne l'ai presque pas vu, puisqu'il arrive en 1968, comme je te disais tout à l'heure. Et moi, j'ai commencé à venir au stade le 6 décembre 1970. Et je pense que peut-être que les meilleurs matchs de Magnusson, ils sont à cette époque-là. Et ils sont aussi beaucoup à l'extérieur. D'accord. Or, nous avons un problème à cette époque, et il faut le préciser pour remettre dans le contexte, c'est que les matchs n'étaient pas télévisés. C'était soit tu allais au stade, soit tu écoutais à la radio, mais tu ne te représentais pas les choses. Et donc, c'est pour moi une grande chance d'avoir eu la possibilité, dès la demi-saison de 1970, de pouvoir assister ensuite à tous ces matchs-là au Vélodrome, pour beaucoup d'entre eux. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé, et c'est pour ça aussi, je pense, malheureusement, que Magnusson est un peu oublié, parce qu'il n'est pas dans les statistiques. Skoblar, tu peux dire 70-71, voilà, 44 buts. L'année d'après, il est encore meilleur buteur. Mais Magnusson, voilà, les passes décisives à l'époque, elles ne se comptabilisaient pas. Et puis bon, voilà, il n'apparaît pas vraiment dans les stats. Mais si on avait des images de cette époque-là, je pense que tout le monde serait fou de voir ce qu'il était capable de faire, quoi. Alors, on a une illustration, si on va sur YouTube et qu'on regarde les buts de la finale de 1972 au M Bastia, où il met les deux centres qui vont aboutir aux deux buts marseillais, puisque l'OM va gagner 2-1. On a, voilà, une vision de ce qu'était Magnusson là-dessus. Mais je dirais que il y a aussi des tas d'actions qu'il a faites qui n'ont pas abouti à des buts, mais qui sont restées dans le cerveau de ceux qui les ont vus. Moi, j'avais un ami, malheureusement disparu, qui était un grand journaliste du Provençal et ensuite du Soir, qui était Jean Ferrara. Et Jean Ferrara, bon, qui a été une des victimes de la catastrophe de Furiani, 92, il a été très très lourdement blessé. Il a jamais pu réexercer son métier par la suite, mais lui, il couvrait à l'époque tous les matchs, il faisait les déplacements, il faisait... Voilà, je me rappelle que j'allais le voir à sa maison de retraite, et il me disait, tu sais, quand tu dis vive le grand Roger Magnusson, tu as complètement raison, il me dit, moi, avec le recul aujourd'hui, finalement, celui qui m'a le plus marqué les yeux, c'est Roger Magnusson. Bon, lui, il fait partie plus de ceux Skoblar, qui... Plus que Skoblar. Oui, parce que... Alors, il avait écrit un livre sur Josip Skoblar, Jean Ferrara. Mais en fait, à la fin de sa vie, vraiment presque... Allez, je crois même que quand il me dit ça, c'est presque... Je crois que c'est l'endroit où il est mort, hein, ensuite. Il me l'a dit avec beaucoup de comment dire, de profondeur, de sincérité. On s'est regardé, il me citait des petites anecdotes avec Roger Magnusson. Roger Magnusson, il me dit, un jour, il revient à Marseille comme ça, et il me dit, il est venu me voir à la maison, il me dit. Et donc, il me dit, j'étais dans le jardin, il me dit, je faisais des trucs dans mon jardin, et il me dit, et je vois passer par-dessus le mur, il me dit, je vois le sommet d'un crâne, et je vois une démarche, je me dis, putain, on dirait Magnusson, mais juste, il voyait le haut du crâne, tu vois, et il me dit, c'est comme si la personne venait devant la... Il me dit, j'avais une porte dans le mur, et il me dit, et peu de temps après, je revois passer la tête qui repart dans l'autre sens, et donc il s'est dit, mais
il sort quand même, et puis il aperçoit Magnusson qui repart, Magnusson qui venait devant sa porte, et puis qui finalement, au moment de sonner, il a pas osé, il allait repartir, tu vois. Voilà pour te dire ce qu'était Roger Magnusson et le degré d'amitié qu'avait Jean Ferrara pour Roger Magnusson. Et au bout du compte, il me dit, non, pour moi, celui qui me reste dans les yeux le plus, c'est Roger Magnusson. Alors bien sûr, ça ne va pas parler forcément à tous les jeunes quand je dis ça. C'est très difficile de se le représenter. Magnusson, pour te donner un ordre d'idée, donc, puisqu'on parle de 1970-1971, lors d'OM Strasbourg, qui est pour moi un des plus grands moments que j'ai vécu dans ma vie de supporter, OM Strasbourg, 6-3, dernier match au stade de Vélodrome, qui fait de l'OM le champion de France, après... je ne sais plus combien d'années, puisqu'on n'avait pas été champion depuis 1948. Donc, il y a une séquence qui va m'échapper, parce qu'à cette époque, ben, comme je te disais, j'ai 10 ans, je regarde partout, il y avait une ambiance de folie, donc je regardais autant les spectateurs que le stade, etc. Et donc, il va se passer ce truc-là que beaucoup ont vu et ont mémorisé, c'est que Roger Magnusson, à un moment donné, prend le ballon sur le côté droit, le fait monter, tu sais, avec cette façon qu'on a de pouvoir... Tu fais brûler le ballon et puis tu le bloques avec un pied et tu le remontes derrière toi comme ça. Et donc, oui. il fait ce geste-là, il amortit le ballon sur la nuque et il passe le long de la ligne de touche avec le ballon sur la nuque, il passe son adversaire comme ça, quoi. Tout le monde a fait... voilà. Et ça te donne un ordre d'idée de ce qu'était Roger Magnusson à cette époque-là. Alors bien entendu, c'était un être assez généreux qui va se réjouir du retour de Jean-Louis Collard, puisque donc je te disais tout à l'heure que déjà l'arrivée de Magnusson donne un coup de fouet à l'équipe, mais l'arrivée de Scoblar à l'exercice 69-70, je crois qu'il arrive à la trêve, va absolument tout changer, et surtout les deux joueurs vont tout de suite s'entendre. Voilà, c'est-à-dire que Roger est presque lassé d'être la vedette qui attire tous les médias sur lui, il est très gêné même par rapport à ses coéquipiers, et il se dit « Ouf, Scoblar qui arrive, ça va m'enlever de la pression, parce que j'en peux plus, quoi. » Il va la lui raconter pression, d'ailleurs. Ouais. Ouais, dans un reportage, je crois, qu'avaient fait Mario Albano et Gilles Roff, je crois, quand ils ont fait les stars de l'OM, ça se trouve sur YouTube, les légendes du siècle, Magnusson, voilà, il raconte tout ça. Et donc, les deux joueurs vont s'entendre à merveille. Alors, il va y avoir un peu une petite séance d'observation, mais Zatelli, qui est aussi un très grand psychologue, va très vite faire comprendre qu'ils ont besoin l'un de l'autre, et d'ailleurs, il va leur parler séparément. À Scoblar, il va dire, tu sais, Roger est très content que tu arrives, il m'a dit toute l'admiration qu'il avait pour toi, et comment il comptait sur toi. Et quand il va voir Magnusson, il va lui dire, tu sais, Josip, il est super content de jouer avec toi parce qu'il sait qu'il va recevoir des ballons, etc. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un joueur devant qui s'appelait Joseph, qui était un grand black, costaud, qui était un vrai déménageur. Bon joueur, hein, parce que beaucoup de Marseillais, dans l'imaginaire, ont gardé cette idée que c'était un gros vendangeur à la Bakayoko. Alors que non, il y avait beaucoup d'efficacité et que c'était un joueur qui faisait le ménage devant, mais qui avait aussi des qualités techniques. Hein. Voilà, il y a des anecdotes très drôles au sujet de Joseph. Alors, je ne me rappelle plus, il y en a une où à un moment donné, lors d'un match, je crois que c'est la finale 69, OM Bordeaux. Il y a un joueur bordelais qui essaye de faire péter le plomb à Joseph. Donc pendant tout le match, il va lui dire, il va lui parler, remonte à ton bananier, tu vois, il parle de banane, en fait, ouais. Il le chambre de façon très raciste. Et Joseph, à un moment donné, va marquer un but et il va aller revenir vers cet arrière et lui fait, dis-moi poteau, les bananes, tout ça, tu m'en parles encore, s'il te plaît. Tu vois, voilà, c'était ce genre de personnage. Et donc, c'est vrai qu'il vendangeait un peu plus. Donc, à l'arrivée de Scoblar, va permettre à Magnusson de voir ses centres aller de façon un peu plus souvent au fond. Et donc, ça va gratifier son travail et il le sait, quoi. Alors, juste Scoblar, quand même, faut en parler quand même, parce que 44 oui. buts, c'est jamais atteint, hein. Il y a eu des 30 buts, des 34, je crois, avec des Papens et des
Zlatan Ibrahimovic, mais il n'y a pas eu 44. Alors, certes, c'est une autre époque, évidemment, c'était un jeu plus offensif, il n'y avait peut-être pas les mêmes défenses, mais malgré tout, c'est quand même un exploit. Qu'est-ce qui caractérisait un tueur? C'est un tueur à sang-froid ou c'est un tueur technique? C'est les deux. C'est les deux. Alors, sang-froid, peut-être pas parce que c'était un joueur très nerveux. Mais bon, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est quand même très nombreux à dire que Josip Skoblar est à ce jour le plus grand joueur de l'histoire de l'OM. Voilà, ça ne fait aucun doute. Il avait tout, c'est-à-dire qu'il avait pied gauche, pied droit et la tête. Il n'était pas très grand, hein, il faisait 1m78. Par contre, il sautait haut, il avait le timing, et puis surtout, il avait une grinta de folie qui lui a parfois joué de mauvais tours, hein, parce que, bon, on se rappelle, enfin, ça c'est une anecdote qui est souvent citée, beaucoup de gens s'en rappellent, il avait mis un coup de poing à Domenech, il l'a allongé, quoi. Hein, bon, Domenech a fait un petit peu de cinéma, enfin, en tout cas, il a dit qu'il avait fait du cinéma, mais le coup de poing, il avait été donné de façon très, très directe et costaud, voilà. Skoblar, il ne fallait pas le faire chier, quoi. Voilà, donc... Les défenseurs qui essayaient de l'intimider, ça ne marchait pas. Et c'est un joueur qui avait une intelligence de jeu, de placement, qui pouvait tirer dans n'importe quelle position, mais qui avait aussi une très grande élégance. C'était une grande finesse technique et une grande élégance. Voilà, quand il avait la conduite de balle de Skoblar avec l'extérieur gauche, voilà, c'est quelqu'un qui utilisait beaucoup son extérieur gauche. C'était très un peu Didier Drogba là. C'était très jeune, ça ressemble un peu à Didier Drogba, non? Ah non, pas là, je dirais pas, non, c'est pas les mêmes caractéristiques. C'est pas les mêmes caractéristiques. Déjà Drogba, il avait un physique beaucoup plus imposant. Que je te dise, Skoblar était plus ramassé que ouais, Didier. Ouais. Mais par contre, ouais, avec une rage de but énorme, quoi. Voilà. Donc Magnusson Skoblar, ça va être un duo qui va magnifiquement marcher, mais tu as aussi une équipe de caractère derrière, parce qu'on cite encore beaucoup trop Skoblar-Magnusson, ouais. Mais tu as, en 70-71, tu as Escal qui fait quand même une belle saison, tu as un arrière-droit, Jean-Pierre Lopez, enfin les deux latéraux d'ailleurs, hein, Jean-Pierre Lopez et Kula, qui sont deux joueurs qui montent beaucoup. Alors Kula, c'était un Parisien, c'était un Titi parisien qui était arrivé... au début de l'exercice 70-71. Jean-Pierre Lopez, lui, il venait du sud-ouest. C'était un type très sec, mais très technique aussi, hein, comme Kula. Kula, d'ailleurs, était un ancien ailier gauche, je crois. Et Lopez, c'était quasiment un attaquant, quoi, hein. Les dédoublements Lopez-Magnusson étaient très fréquents à l'époque. Et il y en a qui ont dit que l'OM avait été aussi un des précurseurs du football moderne, quoi. Enfin, parce que quand tu regardes d'ailleurs le seul match entier disponible, qui est la finale OM-Bastia, qu'on trouve sur YouTube, je vous invite à aller la voir, même si c'est le football de l'époque, on a l'impression que c'est plus lent parce qu'il y a beaucoup de passes vers le gardien, etc. Mais vous allez voir que du point de vue de la circulation du ballon et des attaques, ça ressemble beaucoup au football moderne d'aujourd'hui, avec des latéraux qui n'hésitent pas à monter. Et Lopez était de ce genre-là. Voilà. Au milieu, tu avais un type comme... Alors, avant qu'on passe à 71-72, donc juste, je détaille un petit peu. Donc je vois que donc champion, en Coupe de France, l'OM va jusqu'à une demi-finale. Donc oui, alors ça, c'est aller-retour. C'est un match qui est perdu. C'est un match aller-retour. L'OM fait plutôt un beau match au match aller, et puis on se retrouve au pénalty, parce que ça aussi, ça c'est partie des choses qui ont changé. Mais à l'époque, on disait pas les tirs au but. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, d'accord, oh là là, attendez. Ce ne sont pas des pénaltys. Le pénalty, c'est quand il y a faute dans la surface et que c'est tiré en plein match. Mais à l'époque, nous, on a toujours dit on a perdu au pénalty ou on a gagné au pénalty. Voilà. Et à Marseille, à l'époque, je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui disaient le pénalty. Il y a pénalty. Voilà, ça me revient, ça. Là, c'est encore... je te parlais tout à l'heure du sang-froid de Skoblar, que c'était plutôt quelqu'un de nerveux. Il va tirer au-dessus, quoi, hein, son tir au but ou son penalty. Et bon, ça va coûter la demi-finale à l'OM. Donc, on passe très près après avoir gagné cette Coupe de France en 1969. Ouais, voilà. Yeah.
Et après, il y a aussi la Coupe d'Europe, c'était la Coupe de l'UEFA, et bon là, par contre, Alors l'aventure oui, ça va venir tourne donc assez. dans la... Dans la... 32e de finale contre Spartak Trnava en Tchèque. Ouais, c'est ça. Tchèque avec un Encore au tir au but d'ailleurs. Encore une défaite. match avec une très grosse ambiance. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est Jean-Paul Belmondo qui donne le coup d'envoi. Il y avait à peu près 30 000 personnes, mais une vraie ambiance Coupe d'Europe. Il y avait un grand gardien de but qui s'appelait Victor, Viktor, ou 2K même peut-être, mais qui a été un des plus grands gardiens de but, non seulement de l'histoire du football tchèque, mais je pense du. Voilà, c'était à l'époque, c'était vraiment la référence en matière de gardien de but, et il avait fait un grand match. Et oui, il y a eu ce match-là qui a été joué dans une très très grosse ambiance. Alors, j'y étais pas, mais ouais, c'est un match de Coupe d'Europe. L'OM regoutait à la Coupe d'Europe. Il avait commencé à y regoûter déjà avec le Dukla de Prague. Quand d'ailleurs, le soir où Gunnar Anderson meurt dans une rue à l'angle de la rue Breteuil et de la rue Sainte, le soir se jouait un match OM Dukla de Prague, quoi. Ouais. Et donc l'année Alors, on va d'après, effectivement, passer, il y a Trnava. Oui. on va passer effectivement à l'année 71-72, donc avec un doublé historique, donc Coupe Championnat. L'OM remporte le troisième titre de champion de France, oui, en professionnel, quoi. Oui, de Son l'ère histoire professionnelle, en fin. c'est son quatrième titre en 71-72, Voilà. c'est le quatrième titre, ouais. On a toujours dit, donc Alors, il y a. juste pour voir le truc, je vois que Marcel Leclerc renforce l'équipe derrière, en fait, en recrutant deux Stéphanois, Bernard Bosquet et Georges Canu, et tous les deux internationaux français. Ouais. Alors Voilà, ça d'ailleurs, le ça nous renfort, fait tiens. ça c'est quelque chose qui nous fait revenir d'ailleurs à l'année 71-72, parce que ça a été un des grands feuilletons de l'histoire du football français. L'affaire Carnus-Bosquet a fait beaucoup beaucoup de bruit. Alors comment ça démarre ça? C'est marrant. Il y a un match international, l'équipe de France va jouer du côté de la Hongrie, je crois. Et au moment où ils repartent, il y a à la fois les joueurs et les journalistes. Ça fait, je crois qu'on est en train de monter dans l'avion, où on est dans la salle d'embarquement et tout le monde est un peu regroupé. Et tu as Marcel Aubourg, qui est à l'époque gardien de but à Rennes, qui lance un peu à la cantonade, mais tout le monde va entendre, et surtout les journalistes. Il interpelle Bosquet. Il interpelle Bosquet, qui joue à l'époque à Saint-Étienne avec Clarnus. Et il lui dit Oh, beau boss, parce que Bosquet, c'était son surnom, c'était Beau Boss. Et il lui dit Oh, beau boss, dis-moi, tu sais que on t'a préparé ta villa à Rennes, pour que tu viennes à Rennes. Et donc, parce qu'il essayait effectivement que Bernard Bosquet vienne jouer avec lui, parce qu'ils étaient super potes. Tiens, je vais expliquer pourquoi ils étaient super potes juste après. Il rajoute Marcel Aubourg à ce moment-là, et il dit. Et avec Carnus qui va à l'OM, quand votre président, il va le savoir, donc le président de la Saint-Étienne, c'était Roger Rocher à l'époque, qui était en grande rivalité déjà avec Marcel Leclerc. Et il dit, quand votre président va savoir en plus que Georges Carnus vient jouer à Marseille l'année prochaine, il va falloir qu'il prenne des infusions. Tu vois, donc je crois qu'il dit ça bien avant Jacques-Henri Hérault, tu vois. Ouais, c'est pas la tisane. Donc. Donc tout le monde entend, ça revient aux oreilles de Roger Rocher. Et Roger Rocher commence à faire du ramdam avec ses joueurs en disant qu'est-ce que se passe, etc. Alors bon, effectivement, c'était le début de ce qu'on a appelé le contrat à temps. C'est-à-dire qu'avant, un joueur, il appartenait au club avec lequel il commençait jusqu'à la fin. Et le club le vendait que quand il l'avait décidé. Ce n'était pas le joueur qui choisissait. Donc avec le contrat à temps, on décide de dire, ben voilà, un joueur signe 3 ans, 4 ans, et puis après il fait ce qu'il veut. Et donc, effectivement, Carnus et Bosquet ont le droit de partir. Mais Roger Rocher va essayer de leur mettre la pression pour qu'ils restent. Mais eux disent, bon voilà, et en gros, ils ont discuté avec Leclerc bien avant. Ils ont envie de venir à l'OM parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Georges Carnus, en plus, il est de la région, il est de Marignane, donc lui aussi, ça l'intéresse de redescendre et de se rapprocher de sa famille. Et donc, il va se passer des échanges de courriers, il va se passer des attaques dans la presse de la part de Roger Rocher, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que, alors que les deux clubs sont à la lutte pour le titre, Roger Rocher va avoir une réaction d'orgueil totalement incompréhensible, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va, alors qu'on arrive vers la fin de la saison, hein, qu'il reste 3-4 matchs, on est vers le mois de mai, il résilie le contrat de Carnus et Bosquier, c'est-à-dire que Carnus et Bosquier ne vont plus jouer les derniers matchs. Or, ces deux piliers de l'équipe de Saint-Étienne, ce sont deux internationaux, et Saint-Étienne, d'ailleurs, va s'écrouler dans cette lutte. L'OM était déjà un petit peu devant, mais c'était encore jouable. Et en 70-71, on peut dire que l'affaire Carnus-Bosquier va complètement déstabiliser le Saint-Étienne et va nous permettre d'avoir ce titre. Voilà. Donc l'année d'après, effectivement, Carnus-Bosquier, mais ça ne se passe pas tout de suite comme ça. C'est-à-dire que à un moment donné, ils sont supposés être suspendus pour deux ou trois mois à l'époque. Tu vois, pour avoir peut-être signé des accords. En fait, je crois qu'ils ont juste donné un accord verbal. Ils ont rien signé. Mais Leclerc, qui fait un peu le beau aussi, dit oui, mais ils ont signé chez moi, etc. Mais donc, normalement, c'est interdit qu'ils signent avant la fin de la saison. Enfin bref, donc il va y avoir des tas de machins. Mais cette affaire va être très, très lourde de conséquences. Parce que Roger Rocher, à l'époque, ben, il a le bras long. C'est un peu le Jean-Michel Aulas de l'époque. Comme par hasard, il y a un contrôle fiscal qui va être déclenché sur les comptes de l'Olympique de Marseille à cette époque-là. Et il y a fort à penser que Roger Rocher a joué un grand rôle là-dedans, mais cette affaire Carnus-Bosquier qui entraîne ce contrôle fiscal comme ça, juste au moment où l'OM est en train de monter en puissance, ce contrôle fiscal va entraîner par la suite le départ de Marcel Leclerc la saison d'après. Voilà, donc ça, l'affaire Carnus-Bosquier, très très lourde de conséquences. Donc, oui, effectivement, il arrive ces deux joueurs qui viennent compléter l'effectif. Il y a également Charlie Loubet qui s'en va à l'intersaison. On perd gros. Je suis au stade, donc au fameux 6-3 de OM Strasbourg, que je disais tout à l'heure, hein, qui une ambiance énorme de la folie ensuite dans les rues. Skoblar qui est obligé de partir, de quitter le stade dans un fourgon pizza, tu vois, parce que tout le monde l'attend, tout le monde veut le toucher, c'est un dieu vivant, quoi, à cette époque-là. Tu as les 40 000 personnes qui restent à l'extérieur du stade, qui veulent voir Skoblar sortir, et lui, en fait, il traverse avec un camion pizza, et en fait, il se retrouve derrière la foule, et il regarde la foule qui l'attend devant le stade, quoi. C'est une histoire assez incroyable. Et tu as, donc, pendant ce match, vers la fin du match, tu as Charlie Loubet qui sort, et remplacé par Kouekou. Mais on sait que c'est le dernier match du Loubet, on sait qu'il part, et moi j'ai encore en mémoire ce moment, parce que ça, je l'ai bien vu, j'étais à côté, quoi. Tu as Loubet qui sort, tu as Kouekou qui l'attend sur le bord de la touche, Kouekou le prend, j'en ai encore le frisson, et il le fait tourner pendant 3-4 tours comme ça, et tu as toute la foule qui se met à chanter, ce n'est qu'on au revoir Charlie. Et je trouve ça... Voilà, c'était magnifique. Et donc, on est sur la fin donc, de 70-71, et donc 71-72, c'est finalement Kouekou qui va jouer côté gauche. Mais ça va lui créer des problèmes, parce que ce n'est pas son poste. Donc, la saison 71-72 va pas être trop évidente. Déjà, le public est de plus en plus exigeant. Même en 70-71, il manifeste beaucoup chaque fois qu'au stade Vélodrome, l'OM tergiverse. En fait, ce que les supporters reprochent aux Olympiens à cette époque, c'est qu'à l'extérieur, ils sont excellents, ils sont au-dessus, ils gagnent beaucoup de matchs. Je crois qu'ils vont gagner quelque chose comme 12 matchs à l'extérieur cette saison-là. Et parfois, avec des écarts de score conséquents. Alors quand ils jouent à l'OM, les Olympiens veulent tellement bien faire qu'ils sont plus crispés, et que finalement, ils tergiversent un peu plus, les succès sont un peu plus longs à se dessiner, donc le public siffle. D'ailleurs, Gilbert Gress va s'élever contre ça, mais pas mal de joueurs vont s'élever là-dessus, et Gress va dire, mais attendez,
Il faut arrêter de nous mettre la pression comme ça. Laissez-nous jouer, on sait ce qu'on fait. Lorsqu'on fait circuler le ballon, c'est des fois pour fatiguer l'adversaire. Il y a des voilà, le football, c'est attaquer, mais c'est aussi user l'adversaire en faisant circuler le ballon et laissez-nous jouer notre football. Voilà, c'est ce qui va être. Alors, il va même rajouter. Alors ça, c'est quelque chose qui circule à l'époque, mais j'ai pas réussi à mettre la main sur la déclaration. Je ne sais pas si elle apparaît dans la presse écrite, et je me suis promis de rechercher ça dès qu'il n'y aurait pas cette histoire de Covid, de trouver dans des archives, à la bibliothèque, mais Gilbert Gass déclarera, je crois, à un moment donné, de toute façon, au Stade Vélodrome, il y a 40 000 cons, quoi. Voilà. Et ce qui ne va pas forcément plaider en sa faveur, mais en même temps, Gress, puisque on n'a pas encore parlé de lui, c'est un énorme joueur. D'abord, à cette époque-là, il est un des rares footballeurs français qui s'est exporté. En gros, je crois que tu as eu quoi ? Tu as eu Copa qui est allé au Real Madrid. Ouais. Et puis, à l'époque, tu as Gress qui est allé à Stuttgart. Mais tu as très peu de joueurs à cette époque-là qui sont allés jouer dans des grands championnats. Or, lui, ouais. dans le championnat d'Allemagne, c'est une vedette. Ah merde, j'ai le téléphone qui sonne, tant pis, ça va s'arrêter. C'est une énorme vedette, Gress, quand il vient. Donc, c'est un énorme joueur. Et d'ailleurs, puisque ça fait trois fois que j'en parle, mais si vous allez sur la vidéo de Wem Bastia 72, vous allez voir, alors qu'on a souvent dit que ça a été un grand match de Roger Magnusson, allez, il fait surtout les deux actions, il fait quelques dribbles, mais c'est pas forcément des meilleurs matchs de Magnusson que j'ai vu. Par contre, oui, il y a deux chefs-d'œuvre au niveau des centres, dont sur le deuxième surtout, où il fait râteau, enfin, c'est énorme. Mais le grand homme de cette rencontre, c'est Gilbert Gress. Petite chose, juste allez. Parce que tout à l'heure, j'ai annoncé que j'allais dire pourquoi Bosquier et Aubourg étaient très potes. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que moi, c'est une histoire qui m'a toujours fait rire. Quelques années auparavant, Aubourg était le gardien de l'Olympique Lyonnais et Bosquier jouait à Sochaux, en défense centrale à Sochaux. Et il y a un match au cours duquel Sochaux est très au-dessus. Je crois qu'ils sont en train de gagner 4-5-0. C'était quelque chose comme ça. Et l'arbitre, en plus, siffle un pénalty en faveur de Sochaux. Et Bosquier est au 18 mètres. Il regarde, il y a un joueur sochalien qui va s'élancer. Et puis, Bosquier a un petit peu de la peine pour Aubourg, qui vient de s'en prendre 5. Il le connaît un peu de l'équipe de France, etc. Les équipes de France de jeunes, je crois. Et il lui indique le côté où l'autre va tirer, où son propre partenaire va tirer. Et Aubourg va arrêter le truc. Et de là, va naître une très grande complicité entre les deux. Voilà, c'est des anecdotes du football que pratiquement tu ne vois plus aujourd'hui. Quoi. Voilà, qui sont alors, possibles. Cette équipe de 71-72, du coup, bon, elle réalise le doublé. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus forte que celle d'avant ou c'est pareil ? Ah, elle est un petit peu plus... Ah, c'est très difficile à dire. D'ailleurs, je pense que... Moi, je peux pas dire ça. Voilà. Elle le sait, elle a gagné en expérience. Comme je te disais tout à l'heure, son caractère s'est renforcé. C'était une équipe vraiment avec que des joueurs de fort caractère. Et ce qui les caractérisait aussi, c'était une grande amitié entre eux. Mais vraiment, c'était tous des amis. Il n'y avait pas de clan dans cette équipe. Et c'est d'accord. Ce qui a fait sa grande force. D'ailleurs, on le verra quelques années plus tard. Je me rappelle, j'étais au Jubilé Roger Magnusson. Cette équipe-là va jouer contre une sélection mondiale. Et alors que certains ont arrêté leur carrière à ce moment-là, on est bien plus tard, dans les années 78, je crois, par là, tu sens que cette équipe, elle avait encore de la force, quoi, de l'envie de jouer ensemble, et il y avait quelque chose, quoi, il y avait quelque chose de très fort. Donc non, je ne peux pas dire qu'une équipe a été supérieure à l'autre, elle a mûri, voilà, on peut dire, puisque le grand moment de cette équipe qui va lui permettre de s'évaluer et qui va lui mettre même un petit coup. J'allais en parler. Voilà, transition. C'est l'OM Ajax, hein, parce qu'il y a... L'OM Ajax, j'allais t'en parler, effectivement, j'étais en train d'aller sur un site là, pour voir un peu plus. Tu as effectivement l'OM, ce qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions.
et où pour la première fois d'ailleurs, je donnerai mes sources tout à l'heure, hein, parce que j'ai, quand même c'est tellement loin tout ça qu'il a fallu un peu que je révise, hein, mais c'est la première année, en 60, donc là c'est quand ce match se joue, en 71, qu'on met la règle du but qui compte double à l'extérieur, en Coupe d'Europe. Voilà, c'était la première fois. Alors, juste pour une petite intro et après je te laisse parler. Donc, du coup, l'OM, donc, ok, champion, on a parlé de la Coupe. Donc, Coupe des clubs champions, donc 16e de finale, l'OM bat un club polonais. Alors, oui, attends, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. L'OM bat le Górnik Zarpes. Alors, je sais pas comment on dit ça. J'ai pas osé le dire, je te laisse. Voilà. 2-1 au stade Vélodrome, 1-1 à l'extérieur. J'étais au stade, ambiance énorme. C'était dans cette équipe de Górnik, il y avait 8 joueurs de l'équipe polonaise quand même, de l'équipe nationale de Pologne. C'était une équipe très solide. Il y avait un arrière central qui surveillait Skoblar, s'appelait Gorgon. C'était vraiment un monstre, quoi. Il faisait 1m92, il était énorme. Tu avais un joueur génial qui s'appelait Lubanski, qui était à l'époque un des joueurs vedettes de l'équipe nationale. Et c'était une équipe qui jouait ensemble depuis des années. À l'époque, le football de l'Est, c'est le football qui se faisait de l'autre côté du rideau de fer, donc du côté communiste. Il y avait de très, très, très grosses équipes. Hein. On avait du mal, nous, les Français, à jouer ces équipes-là. Et donc, c'est quand même une magnifique qualification. Au stade Vélodrome, l'OM gagne 2-1, mais aurait pu gagner beaucoup plus. Et alors qu'ils encaissent le premier but au retour, ils arrivent à rester calmes et à égaliser ensuite. Voilà, ça va leur permettre donc de passer le tour et de se retrouver donc face à l'Ajax d'Amsterdam, qui à l'époque est le grand épouvantail, voilà, et qu'on est en train de découvrir. Alors ils avaient gagné la Coupe d'Europe contre le Panathinaikos juste avant. C'est une équipe absolument gigantesque, extraordinaire, une des plus grandes équipes de clubs de l'histoire du football, depuis sa création. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pas de cul de tomber sur cette équipe, parce qu'il y avait moyen peut-être de rentrer un peu plus en confiance dans cette compétition européenne où l'OM avait vraiment des possibilités, mais contre cette équipe, finalement, ça a été L'OM très difficile. L'OM ouvre le score à la 10e minute par Grèce. Hein. Oui, tout à fait. D'abord, l'ambiance. L'ambiance de fou, non ? Et alors, là, je veux dire, il y a eu, je crois qu'on a dû compter quelque chose comme 5000 reskieurs, quoi. Il y a des supporters qui ont réussi à défoncer parce qu'il n'y avait pas de place, quoi. Toutes les places avaient été vendues. Donc, et tu te retrouves avec des milliers de personnes qui n'ont pas de billets mais qui veulent rentrer. À cette époque-là, les services d'ordre, c'était... Voilà. Donc, tu as carrément... Les supporters vont enfoncer un grillage côté virage nord et ils vont arriver à rentrer. Enfin, moi, je me rappelle que c'était un bordel énorme. 48 000, 39 spectateurs, je vois. Oui, mais en fait, il y en avait 56 000. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait des gens partout. Mais on était comme ça. Mais une ambiance de folie, quoi, des pétards, des fusées qui partaient dans tous les sens, c'était ambiance énorme. Et d'ailleurs, à l'issue du match, je crois que c'est Kovacs qui était à l'époque entraîneur de l'OM, il va dire de Ajax, il va dire que voilà, c'était presque trop. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, une équipe ne pouvait pas s'exprimer pleinement dans une ambiance et avec une pression pareille quand on a ce public derrière soi, quoi. C'était presque écrasant et que ça avait permis à l'Ajax de jouer plus sereinement parce qu'eux, ils étaient un peu détachés du truc, quoi. Donc effectivement, l'OM ouvre le score par Grèce qui détourne une grosse frappe de Kula qui avait été déclenchée des 25 mètres sur un ballon renvoyé. Je crois d'ailleurs que c'est, je ne sais plus si ce n'est pas Skoblar qui avait tiré, le ballon a été renvoyé sur Kula, qui met une mine de 25 mètres, là, qui passe à travers des tas de jambes, et c'est Grèce qui dévie au fond des buts, effectivement. Voilà, 1-0, mais après, derrière, voilà, ça va dérouler, quoi, parce que tu as une équipe d'Ajax qui...
voilà, comme je te disais, qu'elle a une des meilleures de toute l'histoire du football. Toi, justement, parce que bon, je peux même tu as Stuy dans les bois, tu as quasiment l'équipe de Hollande. Hein. Tu as Stuy, tu as Blankenburg-Ulsoff en défense centrale, tu as Kroll à gauche, tu as Surbier à droite, tu as Anne. Alors je ne sais plus si c'est Harry Anne, je crois, ou Rudy. Je crois que c'est Harry Anne. Tu as Niskens, tu as Muren, tu as Cruyff, tu as Kaiser, tu as un mec comme qui s'appelait Zwart. Donc tu as Van Dijk, il s'appelle. Comment tu dis? Van Dijk aussi, là, je vois. Ouais, il était remplaçant lui par contre. Non, là je vois l'équipe Stu, Swart. Alors excusez-moi pour la prononciation. Ulsolf, Blankenburg. Ouais, mais c'est Muren. Mais ça c'est l'équipe de quel jour ça? Non, c'est l'équipe du match aller quoi. Du match aller, d'accord. Anne, Cruyff, Van Dijk, ouais. Kaiser. Ouais. Van Dijk, qui après, je crois, a joué à Nice un peu plus tard. Donc, qui est entraîné par Kovac. Ils avaient des années d'avance au niveau des idées sur le football. Là, c'est la première fois qu'on parle de football total. Et là, ça l'était, quoi. C'est-à-dire et Cruyff, toi, que du coup, on peut dire deux mots, même si c'est hors OM, mais comme c'est pour contre l'OM. Cruyff, toi, que du coup, tu l'as vu de tes yeux, tu l'as connu, c'est... Comment tu le définis, ce joueur? Parce que bon, moi, je ne l'ai pas connu. Alors, c'est vrai, quand on avait fait une émission sur les meilleurs joueurs de tous les temps, bon, mais je sais que Cruyff a marqué l'histoire du foot comme Pelé, mais moi, je ne l'ai pas connu, donc je ne peux pas savoir. Il y a quelques images, évidemment. Mais... Alors, il y a deux choses. C'est que moi, à cette époque-là, je suis trop minot pour identifier Cruyff vraiment comme, tu vois, puis je suis énervé à l'époque. Hein. D'ailleurs, je te raconterai une anecdote après, juste pour un sujet du match retour, mais... Moi, je vais surtout être marqué par Cruyff à la Coupe du Monde de 1974. Parce que c'est là qu'on a pu le voir le plus, parce que tous les matchs étaient télévisés. À cette époque-là, même le dimanche, je te parle des années 70-71, même le dimanche, tu ne voyais pas les buts des championnats étrangers. Hein. Tu les as vus que beaucoup plus tard, ça. Cruyff, moi, à cette époque-là, au moment du match... effectivement, j'ai pas vu grand chose de ce match. Hein. J'étais serré, etc. J'étais minot. Voilà. Et puis il y avait cette ambiance. Voilà. J'ai dans les yeux, j'ai des choses, tu vois, mais pas plus que ça. Et par contre, oui, alors Cruyff, joueur, mais alors considérable. Là, j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est un joueur qui avait tout aussi. Voilà. Là aussi, on a quelqu'un qui avait les deux pieds, qui avait des capacités d'accélération extraordinaires. C'est-à-dire qu'il avait ce qu'on appelait le double démarrage. C'est-à-dire qu'il démarrait une première fois et ça allait très très vite, sur 3-4 mètres. Et puis ensuite, s'il avait du champ devant lui et qu'il avait un arrière à ses trousses, il était capable d'accélérer encore là-dessus, mais balle au pied, donc avec une super conduite de balle, une grande intelligence de jeu, une grande vision du jeu, les premières grandes transversales, tout ça, pour moi, dans ma tête, c'est Cruyff, quoi, hein, c'est cette équipe-là, quoi, cette capacité à voir le jeu... au-delà des 4-5 mètres autour du porteur du ballon. Quoi. C'est-à-dire, c'était des joueurs qui savaient créer des espaces. Et Cruyff était un maître là-dedans. Quoi. Alors, il n'était pas très impressionnant physiquement. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, quand Ajax va arriver à Marseille, il y a plein de gens qui vont dire « Mais c'est ça, Cruyff, parce que c'est un stockfish, quelque part. Tu vois, il est pas grand, il est plutôt mince, voire même maigre. Il a les cheveux longs, un peu filasse. Il a des boutons. » Les gens se disent, mais rien que Novi qui était notre milieu de terrain, il va y en mettre un, il va l'enfoncer sur place, quoi, tu vois. Et c'est un joueur d'une grande vivacité, facilité à éliminer un adversaire, à prendre les espaces, vitesse, accélération, les deux pieds, la tête. Cruyff, c'est un des plus grands joueurs de l'ère moderne, qu'on va dire. Alors du coup, oui, donc l'OM s'incline 2 buts à 1, on va dire c'est mal barré forcément, mais après, en plus à l'époque, hein, quand tu vas à l'extérieur, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Et donc l'OM s'incline 4 à 1 au retour, même si Kouékou a ouvert encore le score. Et donc, effectivement, Kouékou marque le premier but, et on se met un peu à y croire. L'OM joue en... Enfin, c'est la télé, à l'époque, moi, j'avais la télé en noir et blanc, et ils étaient en sombre, quoi. Je crois qu'ils jouaient en noir, quoi. Je ne sais pas s'ils ont joué dans un bleu marine ou en noir, mais j'ai ce souvenir d'une couleur noire, quoi. Alors, au match aller, ils sont en blanc, ouais.
Et Oui, au match aller, c'est en blanc. retour, j'en ai fois, non, je sais pas, c'est blanc. Ouais, Je enfin, sais pas, avant que ça soit que ce soit noir, je sais pas. ouais, Une image. non, non, ils sont en sombre en tout cas. Mais comme c'est Ah en oui, noir bah, et blanc, très sombre, je sais pas s'ils étaient en rouge, en bleu, je sais pas. oui. Oui, après, c'est vrai qu'à l'époque, la télé, c'était, enfin, pas la mouvement, Et mais ouais, moi, je et l'ai ouais. connu, c'était que c'était soit sombre, soit blanc, quoi. Oui, c'était d'ailleurs un des rares matchs de Coupe d'Europe. De toute façon, les Français voilà, étaient assez inexistants à l'époque en Coupe d'Europe, mais c'est un des premiers matchs de Coupe d'Europe télévisés. Voilà, il y a eu aussi un des premiers matchs télévisés, c'est un OM Saint-Étienne 2-2 en 71 également. Et puis tu as ce match-là qui est télévisé aussi. Et là, je me rappelle que j'y crois très fort sur le premier but, et puis après, bon. 1-1, 2-1, 3-1, il y a Cruyff, je crois, qui claque 2 buts. Mais je me revois, alors ça, franchement, je me revois dans l'appartement de mes parents à La Mourolette, cité des quartiers nord. Je voyais les buts défiler, je me disais, ben, il faut que ça s'arrête, tu vois. Et alors, je savais, quand j'étais dans ma chambre, où était à peu près la bonne mère. Et franchement, je me revois. Aller chercher, je me dis, ouais, il faut que je lui fasse une offrande, quelque chose. Je vais chercher une orange dans la cuisine, parce que, bon, à l'époque, l'orange, ça avait le côté cadeau. Tu sais, à l'époque, on mettait des oranges Oui, au pied de l'arbre de Noël, tu vois. Donc, il y avait quelque chose de sacré. Et je me mets à faire une prière, mais à genoux, un peu comme les musulmans aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment à genoux, la tête contre le sol, avec mon orange, à demander à la bonne mère de s'arrêter, tu vois. D'arrêter ce massacre, tu vois, qu'elle nous laisse revenir, tu vois. Enfin, c'était, voilà, j'ai ce souvenir-là de j'ai 10 ans et je pleure de rage de voir les buts défiler contre notre OM. Ça va nous mettre une grosse claque parce qu'on se voyait gros quand même. Donc, c'est un match qui va marquer ça. Et Alors, je peux te dire, et c'est là ouais. l'anecdote que je te disais tout à l'heure, c'est que en 1993, quand Deschamps va soulever la Coupe d'Europe, alors à ce moment-là, je suis dans le salon de chez mes parents où j'étais revenu spécialement pour voir le match avec mon père. J'étais à Bari en 91, mais en 93, je suis chez mes parents. Et quand je vois Deschamps soulever la Coupe, mais je fonds en larmes parce que tout d'un coup, je me rappelle de ce match de 1971 et je me revois en train de prier la bonne mère pour que elle fasse quelque chose, tu vois. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression que finalement, la prière, elle avait mis du temps à arriver, mais elle était là, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est. Ouais. Alors du coup, bon, l'OM tombe contre la grosse équipe puisque l'Ajax remporte la Coupe d'Europe en battant l'Inter de Milan 2 buts à 1. Voilà, au bout. Donc tu penses que si l'OM n'avait pas rencontré l'Ajax, peut-être que l'OM aurait été très très loin dans cette compétition. Peut-être a perdu une finale contre l'Ajax, mais tu penses vraiment qu'on avait les armes pour aller très très loin? Ah, je crois qu'on a perdu Thierry, ou c'est moi. Thierry, est-ce que tu peux relancer? Je te vois plus. Thierry? Non. Je pense que ça ne marche plus. Ben, on va couper si jamais on voit plus, parce que là je vois plus Thierry, ça a dû couper. J'attends ouais, 30 secondes, hein, 30 secondes, minutes pour terminer avec Thierry. Si sinon on arrêtera l'émission là. Bon, on a fait quand même le tour, effectivement. Il nous a parlé de l'époque, donc de la première saison 70-71. Puis après, donc forcément 71-72, où l'OM emporte le doublé Coupe Championnat et donc va en Coupe d'Europe en huitième de finale et tombe face au grand Ajax de Johan Cruyff qui remporte ensuite la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Tant qu'éventuellement, si Thierry est en train de regarder si pour monter ou pas, comme je vous l'avais dit en début d'émission, donc en fait on fait une trilogie d'émissions historiques, et donc voilà, il y a Thierry qui revient. Voilà, tu reviens, ça a coupé, je suis en train du coup de redire un peu ce que tu avais dit. Juste donc pour terminer, ouais, est-ce que je sais pas si tu as entendu la question du coup que je t'ai posée, Peut-être pas. est-ce que hein? Je sais, je non, je crois pas. Vas-y.
Ah voilà, mais je te l'aurais dit du coup. Est-ce que si l'OM n'avait pas rencontré l'Ajax en huitième de finale, mais en finale, on va dire, est-ce que tu penses que l'OM aurait pu quand même, avec cette équipe, aller très loin et donc peut-être jouer la finale face à Cruyff? Avec des si, Oui, évidemment. ah, tu Est-ce qu'on avait le préfères. potentiel ou on se voyait de la face? Voilà, tu vois, c'est un On peu. avait, il y avait le, je pense qu'il y avait le potentiel pour aller plus loin. Oui. Parce que même le, d'ailleurs, même les Hollandais vont reconnaître que c'était, qu'ils avaient eu un bel adversaire en face. Il y avait encore un peu trop de. Alors, le match aller, l'OM a été moyen. Hein. Ils ont fait 20 belles premières minutes et puis après. Et ils se sont un peu écroulés. Il y avait pas encore assez de. Il manquait encore une dimension tactique, je pense, pour vraiment être prêt pour les grandes conquêtes européennes. Voilà, l'OM était vraiment la meilleure équipe du championnat français à l'époque, vraiment sans contestation. Mais en même temps, au niveau européen, ça manquait d'expérience. Donc, il aurait fallu pour ça que l'OM continue à emmagasiner. D'ailleurs, ce match-là va poser beaucoup de questions à Marcel Leclerc, qui va décider à un moment donné de. Il va dire qu'il veut remplacer le Duc et que parce qu'il veut donner à l'Olympique de Marseille une dimension plus grande européenne, et il a l'impression que le Duc au niveau de la gestion des matchs de Coupe d'Europe n'a pas été bon. Voilà, ce qui est assez injuste. Donc tu vas avoir cette folie quand même hein, de quelqu'un qui au mois de mars est viré hein, Lucien Le Duc, alors qu'il est en tête avec 4 points d'avance sur Nîmes. Il va être viré. Voilà. Bon, à la fin de la saison, d'ailleurs, ça sera Leclerc qui sera viré à son tour par le comité de gestion, mais j'anticipe peut-être sur ce que tu veux me demander. Comment, pardon, je m'en donne. Je disais que il va y avoir cette histoire de Le Duc qui va être viré au mois de mars, parce que le président Leclerc estime que c'est pas avec Le Duc qu'il va réussir à passer un cap au niveau européen. Voilà, Zatelli va reprendre l'équipe jusqu'à la fin de la saison, mais c'est quand même assez gros puisque tu as l'Olympique de Marseille qui est quand même en tête avec 4 points d'avance, qui fait une très belle saison, et le Duc est viré au mois de mars, quoi. D'accord, on va juste terminer par deux questions. Déjà, donc voilà, donc avec le recul, cette époque-là, comment tu la qualifies toi au niveau ressenti? Après, évidemment, il y a eu d'autres périodes qu'on a connues, hein, les années tapis, et d'autres époques, évidemment. Mais comment toi tu te la définis cette période en fait? Enfin, moi, j'en parle avec mes yeux d'enfant, là. Et bon, sur le plan historique aussi, bien sûr, mais c'est plus froid, les chiffres, quand tu regardes l'histoire, l'enchaînement des matchs sur papier, ça a pas le même parfum. Tu n'arrives pas à ressentir ce qui se passait. Mais c'était une vraie folie. Alors, je dois dire que non seulement il y avait une grande équipe, non seulement il y avait un grand président avec beaucoup d'ambition qui cherchait constamment à améliorer son équipe et qui se donnait beaucoup de mal pour chercher des joueurs, etc. Mais très très vite d'ailleurs, dès que Leclerc arrive, tu as ce sentiment qu'il va se passer quelque chose et tu as les supporters qui se mettent en folie assez vite. Et donc tu as un grand rôle qui est joué par les supporters parce qu'on a très souvent coutume de dire que sans les ultras. Alors bien sûr, les ultras ont apporté une magnifique dimension de spectacle à tout ce qui est autour du jeu. Mais déjà à cette époque, la folie des supporters est incroyable. Quand Leclerc arrive, la première décision qui est prise, c'est de ne plus jouer au stade Vélodrome. Parce que 1965, je t'ai parlé tout à l'heure de ce moment un peu bascule, parce que l'OM finit presque aux portes de la relégation vers la Détroit, il n'y a plus d'argent. Le président Luciani qui menace même de faire repartir le club en troisième division et d'abandonner le statut professionnel. Et puis, tu as Leclerc qui arrive et la première décision qui est prise, finalement, en concertation avec les joueurs, c'est de dire on va arrêter de jouer au stade Vélodrome et on va revenir jouer au stade de Luvonne. Et ça va être ça, un truc de folie, c'est-à-dire que dès le premier match, il y a un enthousiasme incroyable qui se fait. Et dès le deuxième match, qui est un OM-Reims,
il y a des milliers de supporters qui vont resquiller, là encore, qui vont arriver en force. Et le match va se jouer dans des conditions dantesques parce qu'il y a beaucoup trop de monde par rapport à ce que peut accueillir Luvonne à l'époque. Et d'ailleurs, Leclerc, ça va le faire marronner parce qu'il y a finalement, à un moment donné, il y avait tellement de gens qui cherchaient à resquiller, qui mettaient le bordel, ça poussait dans tous les sens. Il y avait une folie que finalement, on a presque ouvert les portes. On n'a pas vendu autant de billets que ce qu'on aurait dû parce que finalement, il y a plein de gens qui sont rentrés à ouf et que le stade était plein, quoi. Donc, il va demander à ce qu'il y ait un service d'ordre d'assurer à la mairie. Defferre va dire, ouais, mais vous voulez jouer à Luvonne. Mais à Luvonne, on ne peut pas assurer parce que, bon, il faut se représenter la configuration des lieux. Le stade était au fond d'une petite ruelle toute petite, voilà, une genre d'impasse, tu vois. Et donc, c'était compliqué d'assurer la sécurité par là. On pouvait arriver aussi par le parc Borély. Enfin, bref, voilà, ça a été de la folie très, très vite. Et ça a été une montée en puissance où les supporters n'ont cessé d'être de plus en plus nombreux, d'arriver de plus en plus loin, puisque bon, pendant un certain temps, l'OM, c'était surtout Marseille, mais très très vite, dans les départements autour, on va venir voir cette équipe parce qu'elle est spectaculaire. Et puis qu'il se passe enfin quelque chose après tant d'années. Donc, moi, j'ai souvenir d'un déplacement qui est un des déplacements les plus considérables qui a eu lieu pour l'époque, hein, qui est une année où l'OM joue la Coupe de France contre Strasbourg à Lyon. Je crois que c'était en 1970 ou 71, je ne me rappelle plus. L'OM va battre Strasbourg 1-0. On est monté pour ce match qui était un match de 16e ou 32e de Coupe de France. Hein. On était 10 000. Mais moi, j'ai encore en souvenir la sortie la sortie de la gare Lyon-Perrache, noire de Marseillais, qui à l'époque n'étaient pas tous avec des écharpes, etc. C'est arrivé un petit peu plus tard. À cette époque-là, on n'avait pas forcément de grands signes distinctifs. Il y avait des gens qui s'habillaient, qui faisaient les fous. Il y avait des gens avec des banderoles toujours assez drôles, d'ailleurs. Mais bon, c'était très bigarré, quoi. C'était pas unique, les couleurs bleues et blancs partout à cette époque. Mais je me rappelle cette puissance de milliers de personnes qui arrivent dans une ville qui n'est pas la leur, et qui débarquent presque comme des vikings, comme des conquérants. D'ailleurs, à l'issue du match, il y aura quelques exactions qui auront été commises par certains Marseillais qui auront un peu dépassé les bornes et qui vont faire des petits actes de vandalisme sur Lyon. Voilà, la presse marseillaise, d'ailleurs, va rouspéter contre cet état de fait. Mais le fait de revenir à Luvonne, les gens sont beaucoup plus près de la pelouse. Donc, ça, les insultes fusent en direction des adversaires. Et d'ailleurs, j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps, parce que justement, j'ai retrouvé des propos de Louis Dupic, qui à l'époque était un journaliste au Provençal, et qui dit, mais voilà, il faut qu'on arrête d'insulter les adversaires, quoi. On doit être au-dessus de ça. Mais bien entendu, les insultes, il y en a toujours eu au Stade Vélodrome, mais les journalistes, là où ils étaient au Stade Vélodrome, ils ne les entendaient pas forcément. Et puis dans le bruit que ça faisait, ils n'entendaient pas, mais à Luvonne, on entendait tout, puisque les joueurs étaient proches des supporters, donc les insultes étaient énormes, quoi. Il y a aussi deux trucs absolument ouais. remarquables qui se sont passés dans ces années-là. Donc ça, on est dans les années en 69, l'OM joue son quart de finale de Coupe de France contre Angoulême, et c'est là qu'il va y avoir aussi des débordements, des resquilleurs, et on va se retrouver avec les supporters qui sont au bord de la touche et des 6 mètres. Ils entourent le terrain de jeu, mais à ses limites, quoi. On va avoir ce truc incroyable de carrément d'un flic qui essaye, comme il peut, d'assurer le service d'ordre, qui se retrouve, lui, à assurer le service d'ordre le long de la ligne de touche, en demandant aux gens de se décoller, allez, de 10 cm au moins, pour que les joueurs puissent vraiment voilà, essayer de les protéger. Mais il y a deux balles qui vont sortir en touche, avec Roger Magnusson d'ailleurs, qui fait une conduite de balle, et le ballon sort un peu, et tu as un flic qui le remet sur le terrain, le ballon, quoi, pour que Magnusson puisse continuer sa course, et ça ne va pas être sifflé par l'arbitre, ça, quoi. Voilà, c'est des trucs incroyables. Et tu as aussi ce match qui est un OM Saint-Étienne, où là encore, les resquilleurs vont arriver par l'entrée, l'ancienne entrée des cyclistes du vélodrome, qui était côté Ganet Nord,
dans le quart de virage, sous le quart de virage. Et donc, ils arrivent par là et des milliers de personnes qui se mettent. Il va y avoir un match très serré entre l'OM et Saint-Etienne. Saint-Etienne va le gagner 3-2, mais on va refuser un but à l'OM qui aurait pu permettre de faire 3-3. On va le refuser pour une position de hors-jeu qui est jugée non valable par la plupart des supporters et des Marseillais, des joueurs marseillais. Et là, carrément, le public va rentrer sur la pelouse pour casser la gueule à l'arbitre. Il va se prendre un coup de pied dans les couilles. L'arbitre s'appelle Monsieur Machin, et ça va rester une anecdote qui va rester très célèbre. Mais à partir de là, Leclerc fait installer des grillages très solides autour. Voilà. Et puis ces grillages vont être financés avec des indemnités que va récupérer Leclerc, parce que il y avait un certain Takak qui était connu à l'époque, qui a été d'ailleurs entraîneur de Rennes, et qui a failli signer à l'OM, qui a signé à l'OM, puis qui s'est engagé avec un autre club, etc. Puis finalement, il dit non, je ne veux pas aller à Marseille, je veux aller à Rennes. Et puis Leclerc attaque et obtient des indemnités assez conséquentes d'ailleurs. Et avec cet argent, il va financer les grillages qui vont être ensuite installés autour de la pelouse. Voilà, on va appeler ça le grillage Takak. Mais ça, c'était ça se disait dans le club, quoi. D'accord. Alors juste, bon là, je te le fais en direct, mais tu pourras me répondre un message privé. Je fais une miniature de la vidéo pour la relayer. Alors, si tu as une photo d'archive, livre de droit, ça m'intéresse. Là, j'en cherche, mais bon, après... Non. Bah, tu sais, alors moi, je ne suis pas collectionneur. Je connais des gens qui le sont beaucoup. J'ai rien gardé de cette époque. J'ai absolument rien gardé de cette époque, puisqu'on arrive vers la fin. Je veux quand même signaler un truc, c'est que il y a beaucoup de choses que je me suis remises en mémoire, ou d'autres que j'ai appris. Mais voilà, s'il y a vraiment un truc que chaque supporter passionné, hein, je dis pas tous, mais voilà, ceux qui vraiment revendiquent une vraie passion pour l'Olympique de Marseille, il y a cette série-là qui est en 4 volumes. Alors, je te montre l'épaisseur des volumes. Tu en as 4 comme ça. Donc tu as 1900-1939, 1939-1959, 1959-1972. Et tu as le dernier, 1972-1984. C'est une encyclopédie sur l'histoire du club qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Gilles Castagnon. Alors, quand on parle des supporters emblématiques, etc., ça me fait doucement rigoler. Parce que, pour moi, le plus grand supporter que je connaisse, le plus passionné, c'est ce monsieur Gilles Castagnon. C'est un type qui il a raté dans sa vie depuis qu'il a commencé, parce que bon, il est plus jeune que moi, et je crois qu'il est arrivé... Il s'est intéressé au football dans les années 80. Enfin, il était jeune. Il a raté 4 matchs à l'OM, au Vélodrome, pour te dire. Oui, le travail d'archive qu'il a fait, c'est un travail considérable, mais absolument considérable. Ça veut dire revoir tous les journaux, consigner chaque fois les choses nouvelles qui se sont passées autour du club. Tu as tout, hein, tu as dans cette série-là, tu as tous les matchs, les compositions des équipes, le nombre de spectateurs, tu as toutes les informations qui paraissaient tous les jours, enfin, on va dire les plus importantes concernant la vie du club, quel joueur arrivait, quel joueur risquait de partir, les scandales, les incidents avec les arbitres, les commissions de discipline. Il raconte tout, il y a des courriers officiels, il y a des... Voilà, c'est plus que la Bible, c'est vraiment un truc... Alors, chaque volume est assez cher, hein, ça, dans les 90 euros. Mais comme je dis souvent, plutôt que d'acheter des maillots que tu payes la peau du cul, qui sont que des bouts de tissu, voilà. Achetez ça, les gars. Voilà, surtout que je sais que le tome 2 n'est plus disponible parce qu'il est épuisé. Donc, ils ne sont plus disponibles que le 1, le 3 et le 4. Donc, ça lui donnerait des moyens déjà pour continuer, parce que lui, ça s'arrête en 1984. Il y a peut-être la suite à faire, même si elle est beaucoup plus connue. Parce que voilà, y a les même Internet arrive à quand même à capter des choses plus de ces époques-là un peu plus, mais franchement, il mérite d'être plus souvent cité, plus souvent invité. C'est un monsieur assez timide. Je l'ai croisé une fois dans un truc. Mais écoute, tu peux lui dire pour une émission par exemple sur Gunnar Anderson, tu vois, si jamais il veut venir. Je le connais pas personnellement, mais. S'il y a vraiment, je le dis moi, de toute façon partout où je passe, hein, quand je vais au FCM, même quand j'étais au Phocéen, je le disais, voilà, pour moi le personnage le plus important parmi les supporters à inviter avant qui que ce soit,
c'est Gilles Castagnon. Voilà, c'est pour moi, c'est ça, c'est la passion, parce qu'il y a passé toutes ses heures, ça a bouffé sa vie professionnelle, sa vie familiale. Ah, oui. Voilà, c'est énorme. Et ces quatre volumes-là, c'est vraiment incontournable. Tu n'as plus besoin d'acheter un bouquin sur l'OM après, parce que tu as tout en direct. Moi, quand ça ne va pas, j'ouvre un de ces ouvrages et je me plonge là-dedans et je me refais une saison, deux saisons, depuis le début, hein, depuis la préhistoire du club. C'est extraordinaire. Ça fait du bien. Ça fait du bien en ce moment avec l'actualité. Je te remercie Thierry, c'était hyper complet et hyper enrichissant. On a appris beaucoup de choses. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé, parce que c'est vrai que des fois ça partait un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que je crois que j'ai dit 10% de ce que j'aurais voulu dire. On pourrait faire 5 heures, hein, on a fait 1h30, c'est déjà beaucoup. Donc je te remercie. Donc je vous le disais en début d'émission, on fait donc 3 émissions et peut-être on fera 4 si jamais on fait une autre période, pourquoi pas. Il y en a qui sur le chat qui me disaient parle de Gunnar Anderson. Donc on verra. Deuxième émission vendredi, donc avec les Minots, donc avec Mourad Art et Jean-Charles Debono, qui donc, comme vous le savez, sont en train de préparer un reportage sur les Minots. Et ensuite, donc le vendredi d'après, on parlera de 1991. Donc pour moi, évidemment, j'ai connu que celle-là et pas 71, une des plus belles, voire la plus belle équipe de l'histoire d'OM. Merci Thierry, je te remercie. Merci à toi. Au revoir à tout le monde. Allez, au revoir. Merci. Ciao, ciao. Bonne continuation. Au revoir.